Hello tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes le jour 14 et l'avant-dernière carte que vous m'avez proposée. On défie une carte par jour du 1 au 15. Se termine demain. Et oui, ça a passé vite. Donc, aujourd'hui, on a la carte de David de la chaîne T-Rex Family, qui m'a demandé une carte dragon de feu. Donc j'ai cette image trouvée sur Pinterest. Je vais la mater avec un papier blanc. Par contre, mon image, j'ai un petit peu coupé au pif, hein. Et j'ai fait à 8,7 sur 12,5. Donc le papier de fond blanc, je l'ai fait à 0,5 de plus de chaque côté. Le fond de la base de la carte va être rouge métallisé. Je sais pas si vous voyez bien. Toute simple, hein, carte. Carte de base, j'ai pris des petits des strass rouges, et pour faire un petit peu tranché, on va voir si on utilise ces petits, comment ils appellent ça, les autocollants en noir. Un peu, j'ai pas assez de lumière, et j'ai pris aussi de l'encre rouge pour ancrer mon fond blanc avec. Donc ce que je vais faire, je vais déjà coller mon image. Attendez, je crois que j'ai fait trop court. Ouais. Enfin, je couvre un petit peu 0,5 mon image. Alors, on va couper au pif, à vue d'œil, on va dire. Hop, voilà, j'ai à peu près enlevé 0,5. Voilà. Donc je vais la coller et après je prendrai l'encre rouge pour ancrer les bords de la carte. Blanche. Hop. Mais bien la colle partout. Ah, normalement, ça devrait être bon. Regarde la colle droite. Et pas droite du tout. Hop. Alors. Voilà. C'est pas plus droit. Hein. Pas très droit, c'est en bas, le papier, enfin l'image est pas coupée droite. Je vais voir si je peux couper
L'avantage avec la colle en bâton, c'est qu'on peut décoller. On va essayer de couper à peu près 3. Parce que j'avoue que moi, je sais pas trop couper 3. Voilà. Je vais remettre la colle en bas. Voilà. On voit ce que ça donne déjà. À peu près droit. Ensuite, je vais la coller sur ma base de carte, mais dans ce sens-là. Ce sens-là, ça n'irait pas. Ça dépasserait. Ce serait dommage de couper. Donc, je vais la mettre debout. En mode portrait, comme ceci, et avant de la coller, je vais ancrer les bords. Voilà. Si j'ai de l'encre, ouais. Voilà, moi j'ancre grossièrement exprès pour que ce soit pas trop blanc. Voilà. Voilà, je fais exprès que ça déborde un peu, ça donne un petit champ. Comme ça, ça évite que ce soit trop blanc. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Pas si on voit bien. Et ensuite, on va coller sur la batte. Donc là, par contre, je vais la coller à la taquille. Je prenais ma colle dans mon sac. J'avais atelier aujourd'hui. Donc c'est pas la taquillu, mais c'est pareil, c'est la colle pour tissu. Je trouve que quand il y a des épaisseurs comme ça, elle colle mieux. Et ensuite, je la colle, si possible, droit. Alors, avant d'appuyer, je regarde si c'est droit. Un petit peu là. Celui-là qui décolle aussi. Voilà. Donc voilà que ça donne. Ensuite, je vais coller. Donc on va voir si on allait mettre ceux-là. Alors, où est-ce qu'on les mettrait? On va le mettre... moi, je sais pas, deux, pareil. Voyons voir. Je réfléchis pour mettre
celui-là, il est quel, tu vois. Le truc, c'est que je n'ai plus que... En gros, j'en ai pas. Et en noir, je n'ai plus que cette planche. Et moi, qui n'en ai pas refait. Alors déjà, celle-là, je vais prendre, hop, celle-ci. Donc, je regarde si je la colle en bas ou en haut. Alors. Alors, ça colle pour voir lequel est mieux. Ouais, c'est pas mal, sauf que ils sont pas à la même hauteur. Donc là c'est trop haut. Voilà. J'espère que ça va coller. Donc voilà ce que ça donne en bas. Et là-haut. Pas ça va faire trop, non, je vais pas en mettre là-haut, j'ai peur que ça fasse trop, enfin trop quoi, trop cherché, trop. Je remettrai après, et par contre on va mettre des petits énamels dots, donc pas les cœurs, hein. Un peu cucu je dirais, hop, on va mettre les ronds. Hop, donc je vais prendre les ronds qui sont en bas. Alors, je colle un ici. Un autre là. Ma hauteur sera mieux. Voilà. Et voilà. Je vais essayer un petit truc. Si je peux le coller. Voilà. C'est pas mal. Tout simple, mais moi je trouve que c'est pas mal. Donc voilà ma petite carte dragon de feu. On ne crache pas du feu, mais avec les couleurs et tout, rouge et tout, je trouve que c'est pas mal. Bon, je regarde, attendez. Je regarde dans la caméra le trou noir qui est mis en bas. Il y en a un qui ne fait pas. Pas bien mis. Donc voilà. Non, ça va pas encore. Faut que je décolle carrément toute la partie gauche. Enfin, pour... Hop. Je ne vais pas le mettre pareil. Donc voilà, la petite carte numéro. Coucou. Petite carte numéro 14 qui m'a été lancée par David. Donc j'espère que le défi est réussi, David. Et encore merci pour tous ces défis. Franchement, je me suis éclatée. Demain, quand j'aurai fait la carte
numéro 15, la dernière, je vous montrerai, remontrerai toutes les cartes que vous m'avez lancées de faire. Donc, ben, moi, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Je vous dis à demain avec la carte numéro 14, qui est une carte vintage et qui m'a été lancée par Ariel. Donc, je vous dis à demain pour la suite. Et passez une bonne soirée. Bye bye.